Ghana prophétiser na vie Mr. Baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama yo ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque action. Bon dieu, tu vas savoir. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit au tolo, on va le dominer. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Na commission invisible. Na yo ko kotsa yo. Na lini ya batu ba isa pa makambo ya tenye wa.
t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Nous disons alléluia. Alléluia. Notre Dieu. Notre roi. Notre joie. La raison pour laquelle nous vivons. Il est écrit dans Actes des Apôtres, en toi nous vivons, nous mouvons et nous avons notre être. Tu es le souffle de vie. Nous t'adorons. Sois célébré pour toujours. Exalté à jamais. Nous venons au bas de tes pieds. Pour apprendre. Parle-nous. Simba biso. Touche-nous. Et te jure que zone qui s'allocomion soit pas naïe. Et nous jurons de rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo ya Yesu Masihi ya Nazareth. To sambeli. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Na pesi bino panso bote bisika bozali. Je vous salue tous de partout où vous êtes. Bozo la nanga na minute oyo. Qui me suivez maintenant. Na mokili. Dans le monde, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, Bolingami, toujours, nous continuons toujours. Na thème na biso, dans notre thème, l'efficacité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu saches que Zambé a kolobela yo na pourquoi lilo. Que ce soir Dieu va te parler. Na culte oyo ya sainte sainte. Durant notre culte de sainte sainte. Semence ya liloba ozo yamba lelo. La semence de la parole que tu reçois. Et apporter une visitation divine. T'apportera une visitation divine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tomandi koloba toujours t'as fait quelque temps t'as parlé sur l'efficacité parce que na liyebis biso eza ngonga ya parole. Il y a quelque temps, nous avions commencé à parler sur l'efficacité, car je nous avais dit que c'est le moment de la parole. C'est le moment où nous devons comprendre la puissance de la parole. Que la parole de Dieu est très puissante. Et que l'iloba nzambe eza na nguya mingi penza. Nous avions commencé à énumérer un après l'autre. Tosukaki na numéro 8. Tosukaki na oyo ya 8. La fois passée, tolobi, la parole de Dieu à la capacité de vivifier. Alléluia. Amen. Buna balandion so yo baza pesa consistant to bandina, sachez que la parole de Dieu vive pour toujours, il ne meurt pas. Numéro 2, la parole de Dieu est invisible. On peut pas le voir comme le vent est invisible.
tobandaki kolobe te liloba na nzambe ya liboso ekufaka te mpe ya mibale tolobaki ete liloba na nzambe emonanaka et numéro 3 tolobi la parole de Dieu a la capacité de vous bâtir ya misato tolobaki ete liloba nzambe ekoki kotonga yo 4e tolobi la parole de Dieu est esprit 2e tolobaki ete liloba nzambe eza molimo 5e tolobi la parole est illimité 5e tolobaki ete ezalaka na 6e la parole a la capacité de se métamorphoser ya 6e tolobaki ekobongwana et 7e la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre sans que ça complète 7e tolobaki ekokwea na mabele te sans que ça Et 8e, la parole de Dieu vivifie. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre. Qui est numéro 9. Oui, numéro 9. Alléluia. Amen. La parole Iloba de Dieu Yanzambe est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Nego. Soki baloni masangu bakobuka kaka masangu. Conserve le maïs, on ne peut que le moissonner. Soki baloni nguba bakobuka kaka nguba. Si c'est les arachides, c'est le même. Et loko yoso loni. Tout ce que tu sais. Depuis na botamanan na moni mutu alonta masangu te. Parce que comme on a bango ekeseni selon lingala. Masangu, madeso. Oloni masangu après obuki madeso parce que baza masangu madeso nanuna mona ngote oloni masangu okobutka kaka masangu depuis ma naissance je n'ai jamais vu quelqu'un semer le maïs et moissonner autre espèce ce que tu sèmes c'est ce que tu es censé moissonner alléluia amen de même le lengi moko sache toi que yeba été La parole de Dieu est une sémence. Elle finira par germer. Surtout ceux qui ont trouvé terre fertile, il y a mon thème, terre fertile, il y a condiment, terre fertile, il y a conviction. Et que botisa mbuma selon espèce na yango. Surtout si elle trouve en toi la foi, cela finira par donner comme conséquence. Je bénis Dieu pour tout ce qui est écrit. Nous sommes tellement bénis par Dieu Belé Bazo Koma que en tout cas c'est une révélation. Sujet Oyo, l'efficacité de la parole. Zambé a pambo labino. Ndeko, la parole de Dieu est tout. Il y a besa nyonso. Tout ont été créés par sa parole. Voilà pourquoi devons connaître l'impact de sa parole. Qu'est-ce que la parole peut faire? Alléluia. Amen. 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 So, la parole, Liloba, c'est une sémence. Luke chapitre 8. Nous allons lire dans Luke chapitre 8. Ambrose talia mashuza bagadaba. Amen. Soki paro songo lo elona maki na destiné na yo. Na yepsio ndeko zala na kondima. Zala na attente ya makasi. Lola na mabele eko leka. Me lilobazambe eko leka te sans s'accomplir. Amen. Si une certaine parole était sémée dans ta vie, dans ta destinée, je te rassure que tout peut passer, mais cette parole-là finira par s'accomplir. Tozotanga Luke chapitre 8. Luke chapitre 8. À partir de verset 4. Luke chapitre 8, à partir de verset 4. Nous lisons dans la version Darby. Verset 4. Et comme une grande foule s'assemblait et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole. Verset 5. Le semeur sortit pour semer sa sémence. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin et furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Verset 6. Et d'autres tombèrent sur le roc, et ayant levé, ils séchèrent parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. Verset 7. Oyoki, il sort pour semer. La parole. Voilà, continue. Verset 7. Et d'autres tombèrent au milieu des épines. Les épines levèrent avec eux et les étouffèrent. Verset 8. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre. Au moment maintenant, tu as vu? D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ça suffit que l'ilobaya zambé ekoya na esika. Na mutema oyo eza fatile na kondima ndeko lola na mabele okoleka me parowana
Amen. Si la parole de Dieu tombe dans une terre qui est fertile, préparée pour cela, finalement, il y aura des résultats. Voilà pourquoi dans de pareils rassemblements, il y a des gens qui viennent, il y a d'autres qui voient la main de Dieu et les contraires pour les autres. Tout simplement parce que ceux qui voient et vivent la main de Dieu, ce sont ceux qui étaient préparés et ont un cœur bien fertile pour la parole. Alléluia. Amen. Continue. Verset 8. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre. Oui. Ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il cria. Qui a des oreilles pour entendre? Qu'il entende. Verset 9. Ok. Ba oye e koyi na bon terre. C'est ce ma lame. Sur la bonne terre. Et boti bambouma. Ont généré de fruits. Semence. Milona. Ce qui est lona maki. Si elle est semée. O loni semence. Tu la sèmes. O loni neska ben. C'est une bonne terre. Et que bota fruit. Elle va germer. Selon l'espèce. Golani samalone. Oloti oloni manga. Tu sèmes la main. Et que bota manga. Elle va te donner. Oloni masango. Et que bota masango. Le maïs va te donner que de maïs. Oloni masango okobuka te madeso. Non. Kaka masango yo loni nde okobuka. Si tu sèmes le maïs, tu ne recevras jamais d'autre espèce si ce n'est que le maïs. Continue. Verset 9. Et ses disciples l'interrogèrent, disant. Qu'est-ce que cette parabole? Verset 10. Et il dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Mais il en est parlé aux autres en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Verset 11. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Encore. Dieu. Encore. La semence est la parole Encore. De Dieu. Encore. La semence est la parole Alléluia. De Dieu. Alléluia. Amen. La semence. Molonin. Et Zali. La parole de Dieu. D'autres m'ont dit la parole de Dieu. Et une semence. Lilo Bananzambe. Et Zali Molonin. So parabole wa Yesu azo talisabiso. C'est parabole que Jésus nous donne. Baloni awa, de boti 30 baloni awa, 60 baloni awa, 100. Ils ont semé de part et d'autre et ça a généré. Abi, semence wana. Il dit cette semence là. C'est la parole. Et zali neli loba. So, si la parole de Dieu est une semence, genre le genre de parole que tu sèmes dans ta vie va déterminer le genre de fruit que tu en manges. Si tu sèmes le maïs, tu ne peux qu'en manger. Si tu sèmes le loba zambe ya guérison, au loni ango, au navi na yo, nan soto na yo, okobuka kaka guérison le biko soa esate. Si tu sèmes la parole de guérison dans ton corps, tu ne peux que recevoir des résultats conséquents. Loba terre ya mutema na yo ezangi kondima. Sa fertilité na kondima. Soit la terre de ton cœur manquait la foi. Nasepeli verset 11. Alobi, maintenant la parabole est ici. La semence est la parole de Dieu. Verset 11 et le bien était Talali Sese Yangoyo, Molona et Zalinde Lilobananzambe. Taladingi Tose Belebo et Namokili. Regardez comment nous sommes nombreux dans le monde. Soki na libota na bino bobotika ba na basi boza basi basi mobali azate yeba ke semence oyo tata zo lona na mama yango nde mama abimisi yango wana oyo bom africain oyo azama yelete abana ofinga mwasi ya batu longwa kuna zo bosa nga mwana mobali te tatu yo nde zo lona semence ya basi basi eloko lona kina mama nde mama asanzelio kofinga mama ya batu te kolobela mama ya batu te eza fort na yete mama ya batu azar receptor
azui oyo yo loni na kati na ye e asanzi yango pona yo yonde moloni. Ne soyez pas étonné dans une famille de voir une femme donner que de femelle, car cela ne provient que de l'homme qui avait donné la semence. Moi, si azana capacité de la semence. La femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui possède la semence. Et sans des mobiles, il a sali la semence. Voilà pourquoi l'homme a l'autorité, l'ikolo yabana. C'est parce que l'homme azana makasi. Soit que moni que moi si azo bota kaka mibali, tatuyo nde loni semence yaba mibali. Si la femme ne fait que donner naissance à des garçons, sache que c'est toi qui avais donné cette semence. Avez-vous déjà vu une femme être enceinte sans la parution? Lobana mon technologie à l'élo. Lobana mon colonne à l'élo. Yakindoki à l'élo. Mayele à l'élo. Voilà. Loba ou autrement, sous-naturellement. Topé la lolingue à bonza. Netia, Marie, ça c'est fait. Le colé à Maria. Voilà. Mais normalement. Na lolingue ma kamboza. Bon à moi si Agumba semi. Pour qu'une femme soit enceinte, il faut me bali à l'ona. L'homme doit donner la naissance. Et loko yoso. Section ce mois-ci à Kobota. Et outi de Ibaya Mobali. Le sexe que la femme va faire sortir provient de l'homme. Alléluia. Amen. Yango Balobaka. Voilà pourquoi on dit. Ce qu'un homme a semé. Oyomoto Aloni. C'est ce qu'il va récolter. Yango Ananeye à Kobuka. Si c'est ainsi avec la reproduction, ce que Zabo est na kobota, yibake okoki ko changer destinée na yo. Sache que tu peux changer ta okoki ko changer avenir na yo. Tu peux changer ton avenir avec la parole de Dieu. Na lilo balansambe. Oyozolona, que tu sèmes, yangonde okobuka. C'est ce que tu récoltes. Oyozolona, c'est que tu sèmes, yangonde okolia. C'est ce que tu en mangeras. Question maintenant est ça. Otuna yango. Ozolola, ozolona nini na vie na yo. Que sèmes-tu dans ta vie? Ozolona nini na avenir na yo. Que sèmes-tu sur ton avenir? Ozolona nini na lobi na yo. Sur ton lendemain. Ozolona nini na bafè na yo. Qu'est-ce que tu sèmes sur tes? Ozolona nini na finance na yo. Sur tes finances. Et l'okozolona. Ce que tu sais. Et qu'on déterminer. Va déterminer. Oyokobuka. Ce que tu vas montrer. Parce que la semence. Oui, t'es molona. Reproduit. Et bimisa. Selon son espèce. Pour la disant, le lingue est kota qui n'a ma belle. Macho bradia tabagas. C'est très, très profond. Et ça, mon sino pensa. Et la parabole, c'est ici la semence et la parole de Dieu. Nan lingba tanganga bavasion. Après tout, kene liboso. Tosuki wanate. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Version Lingala Lelo, Luc chapitre 8, verset 11. Tala ndimbola ya lisapo oyo. Mbuma ezali maloba ya nzambe. Mbuma ezali maloba ya nzambe. Na loni na kati na yo. Je sais destiné na yo ekotika la lolenge makole susute. Amen. Parce que liloba nzambe lobi oyo ngai na koloba ye akosala. Oyo ngai na kosakola ye akokokisa. Yes. Na lobi boye okotika la lolenge mokote. Amen. Bisika baninga bazo kita yo okokita te ozo mata. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Mbali lobawana na kombo na Yesu atoza maladi na minute oyo na sakoli na proclame opikisami okangolame na lobi opikisami okangolame na lobi opikisami okangolame. La parole est une semence. Ba semence ya parole na zolo na tango yo sanzali boso na bino par écran mais zo zongelangai ba témoignage kafu kafu zo salema ba bazo pika ba bazo kangolama des choses miraculeuses zo salema. Toutes les semences de la parole que je sème sur vous par la télévision, cela a des répercussions car il y a des témoignages. Nazana ba message ya ba mususu bazo tinda message magena na lobe ba tinda biso mais atini message soto ko sala et ça wana na numéro 1 zo. Ils ont affiché dans l'écran. Beaucoup de témoignages, des guérisons instantanées. Parce que je suis convaincu, c'est la révélation, que ce que je libère en tant que parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est conditionné avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que
Je confirme les paroles de mon serviteur. Et j'accomplis les prédictions de mon envoyé. Quand vous êtes dans ce sacré, na minute boy. À chaque fois que je prophétise, il y a des choses. Yokana butu ya lelo, parce qu'ils accueillent na biso ya vendredi ya communion. Na sambeli na nzela sensen ya butu ya lelo. Et loko yo ces accords étrangers na zoto na ezo disparaissent son trace. Amen. Et que zola nanga préparer communion na yo privage na na oyo okoti tant que nzoto ya Yesu Masia. À la fin, je vais bénir la communion. Il y aura des témoignages au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est un semence. L'iloba nzambe ezali molona. Version le livre Luc chapitre 8 verset 11. Oui. Voilà ce que signifie cette comparaison. Le grain, c'est le message de Dieu aux hommes. Le message de Dieu qui est la parole de Dieu. Le message de Dieu aux hommes. Les graines. Graines, anini, semences. Graines, tout le monde a été dit. Ce message, on a toujours annoncé. Et ça, graines, et ça, semences. Le message que nous apportons est une semence. Dès que tu la reçois, cela doit générer des résultats dans ta vie. Pendant que tes collègues seront vieux, toi tu vas. C'est ça la parole. Alléluia. Amen. Semence qui est jouée si comme la moïkoti et reproduit sa ka selon espèce. Dès que la semence trouve une bonne terre, elle finit par reproduire son espèce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oko muna mukokoli ya manga uzo beti ango foot ndenge na lobaki deremo ubeti ango foot oyo yepe abeti ango foot bamoni ango na balabala zoleka abeti ango mwana class ya ye iko ika iko ika bazo beti ango meme mukolo mtu mako akosala ero abeti semence wana omuni ekauki ya manga neti ezana bomo ite omikosi ndeko so ba beti ango ekoi na isika oyo mai ezali e mabele ezali na misu na yo lobi oh ndenge nini nzete ya manga ezo poussé na place oyo bembeni ya caniveau eza semence semence ezu esika ya malamu e abandi ko bimisa mutu zo bimisa mutu azo bimisa mutu azo kola mutu azama yele soki apikoli yango na place wana keko chena esika ya malamu okolia manga kala mingi te. Yes. La parole de Dieu est une semence. Semence ekufa kate. Il y a un Zambé Zali Molona, Pé Molona et Koufakate. Est-ce que Zambé Akosaka? Akoufaka? Est-ce que Zambé Akoufaka? Tolbi, Dieu et sa parole sont un. Est-ce que Zambé Akoufate? Sa parole est une semence. Ce qui a coûté la vie, Ako reproduit. Tel que Dieu ne peut mourir, sa parole ne meurt pas. Dès qu'elle pénètre ta vie, elle va générer. Nalobi n'a pas maté à Nanga avant confinement. Nalobi, on a besoin de ça. Et ça n'a pas volé. Ce n'est pas seulement la quantité qui compte, mais la qualité. La qualité. Il faut la quantité, mais les choses très importantes, très importantes. La qualité. La matière, il faut tous à la vase dans l'écriture. Nous devons être vaste dans l'écriture. Mais il faut tous à la qualité aussi. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu pleure. Mon père pleure à moi. Meurt. Faute de la connaissance. Il y a des gens ici. Attends, Satan a zo le calibosona. Azo yebate ke ouyo isa Satan. Il y a des gens, même le diable, quand il passe devant lui, il n'arrive pas à dénicher que c'est le diable. Azo yebate. Il ignore. Parce qu'il y a zo zele lo mon corps. Ezana elong mon corps. Ezana ezana lisse ke ouzo yebate le côté. Hein? So, bamiye bi kutute baza banani. Et ces gens-là ne savent même pas qui ils sont réellement. Jésus a lobi bino ba race de vipères. Jésus a dit vous race de vipères. Il y a des races de vipères et qui est le vipère? Qui est le serpent? Satan. Azana race nae et il y a ba race
les élus de Dieu. Tilelo il y a beaucoup qui se kiné ba miyebite baza banani bazo luka eloko moko non non indeko Dieu est ici, Dieu est dans l'homme et le diable est dans l'homme et mutuna mutazo reproduit selon espèce naye. Le lenge moko nzambe azakati na moko satana pe azakati na bato et moko na bango azo tali sabato ya le lenge na ye. Christ Emmanuel, Dieu avec nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ Emmanuel nzambe longo na biso de Christ yende likela na. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, là où habite Dieu par son esprit? Il y a des races de vipères. Il y a des races des élus. Les élus de Dieu. Amakoshi kebelegede. Allez, babo chanta la baba. Angre di gabado zobo 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 koshi kapala. Amen. Et je bodo boko shike pede pede. Amen. Allez. Et mon peuple, ils sont détruits. Ma baby. Faute de la connaissance. So, il y a des gens où ils ont bengi mon peuple. Ils ont abattu en zamba bengi aili bota. Ah bon? Mon peuple. Yanga ili bota. Mon peuple. So, il y a des gens où ils ont basa peuple na été. Et à ceux qui ne le sont pas pour lui. Ah ma chouvra de gede gede gababa dobo sotori ya laba. Amen. Alobi dernièrement avant confinement à cela parole prophétique nanga moko natali nazo yoka dingi nazo prophétique na tiel lobo lisapinanga na matoi nabi ça c'est prophétique na bangi makambo bimi et na moni ezo salema. Je suis dans mon office à ce temps là maintenant nazo tala makambo yo ezo koma ezo salema et beaucoup de gens bazo yoba na lobaki yango nabi tout ça c'est la guerre entre le ténèbre et la lumière. Mata kita loba français, loba grammaire. C'est la guerre entre le ténèbre et la lumière. Et bientôt, beaucoup de gens ont raison. Parce que tout le monde a été contre la lumière. Il y a un moment où, dans ma prédication, j'avais sorti une parole prophétique et aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. Et par rapport au résultat, j'ai eu peur car j'étais dans mon office prophétique. Amen. So la parole est toute semence. Quelle quantité le et quelle qualité de parole, de semence de parole. Beaucoup vivent avec des logos. Sans vraiment. Ils vivent avec des logos. Écrites. Parole écrite. Sans parole révélée. Logos, c'est ce qui est écrit. Réma, c'est ce qui est révélé à toi. Logos, ezali ma komi oye komami. Kasi réma, ezali e moni seli oye pesamelio. Logos, c'est ce qui est écrit. Logos, c'est ça oye komami. Réma, c'est ce qui sort de ce qui est écrit et entre au-dedans de toi. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qu'on appelle la révélation. Et c'est ce qui produit les résultats. C'est ce qui amène la transformation. C'est ce qui change. Alléluia. Mais sache-toi que chaque semence produit selon son espèce. Ce qui est le manga, si tu sèmes la main, tu ne récolteras jamais le manga. Jamais le manga. Si tu sèmes la main, tu récolteras la main. Masango, le maïs. Okobuka masango. Tu n'auras que de maïs. Parce que bango mignon soumisa tu baza ma 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 yoka okobuka oyoyo oloni. Quoi qu'ils ont le même préfixe, mais tu vas récolter ce que toi tu as semé. Si koyo mutuna ezani ozolo na nini na vina yo. Maintenant la question est qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Semence ya dengeni ozolo na na katina yo. Quel est le genre
de semence que tu sèmes en toi. Telle est la grande question. Quand la bonne va se mettre sur ses alliés, après tout, ce qui est ok, te pousser. Je pense que tu es béni tel que tu es. C'est très important. Ce sujet que je parle, c'est très important. La semence de la parole. Alléluia. La parole de Dieu est une semence. Yeah. Aujourd'hui, nous parlons que la parole de Dieu est une semence. Il faut porter ce titre. Voilà, c'est comme ça. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ababo shebe debe debe. Amen. Nalingi otanga ponanga apatia verse 11 encore to keiliboso. Luke chapter 8. Totangi 4 à 11. Maintenant tu otanga verse 11. Luke chapitre 8, verset 4 à 11. Oui, version Tardie. Oui. Et comme une grande foule s'assemblait et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole, verset 5, les semeurs sortirent pour semer la semence, et comme ils semaient, quelques grains tombèrent le long du chemin. Verset 11, s'il vous plaît, à partir de verset 11, je dis. Verset 11, or voici ce qu'est la parole, ou la parabole. La semence est la parole de Dieu. Merci, verset 12. Verset 12, et ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable. Et ils ôtent de leur cœur la parole. De peur qu'en voyant, ils les voient, ils les soient sauvés. Voilà pourquoi dans l'église, dans les sangayons, au moins le résultat est différent. Ils en étaient dans la classe. Écoute-moi. Même prof. Prof, il y a mathématiques. Le même professeur de mathématiques. Il entre, étudiant, il y a 50. Il y a 50 étudiants. Dans la classe. Dans l'auditoire. Prof à côté. Le prof est entré. Atei bango mathématiques. Il enseigne le mathématique. Pendant une heure de temps. Pendant une heure. Chaque jour. Les colonios. Et baza 50 dans la classe. Ils étaient 50 dans l'auditoire. Bazo yoka même temps. Et ils écoutaient au même moment. Même enseignement. Le même enseignement. Même professeur. Motangi Simoko. Mais na examen. Pendant les examens, mutu na mutu, chacun d'eux a un résultat différent. A des résultats. Par contre, Moussou soit 89%. Il y a d'autres équipes. Moussou 70%. D'autres 70%. Moussou 60%. D'autres 60%. Moussou 40%. D'autres 40%. Moussou 20%. D'autres 20%. Moussou coûte 0. Il y a d'autres même un grand zéro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ninu ezo salama. Yango azo expliquer awa. C'est ce qu'il explique ici. So, ko blâmer Moussa les Zambété ou bien ko blâmer un enfant de Dieu son holté, in chouan 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 chouan, y est pas que et l'autre ezo comme la moto na moto, ezo c'est long. C'est mince, il y a parole. Azana yango na kati na ye. Tanga. Voilà pourquoi ne blâme personne, car le résultat qui arrive à tout un chacun est par rapport aux semences qu'il a en lui. Verset 12. Verset 12. Et ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable et ils ôtent de leur cœur la parole. Omoni. Bayoki liloba, mais le diable aye a su yango. Ils ont entendu, mais le diable a pris cela. Parce qu'il y a dit que ce qui est tiki et vanda. Car il sait que si il est nini, et qu'au beau tamboum, et qu'au beau transformation. Car si cette parole demeure en est, cela va générer une transformation. Alléluia. Continuez. Verset 12. Et ils ôtent de leur cœur la parole. De peur qu'en croyant, ils les soient sauvés. Verset 13. Et ceux qui sont sur les rocs sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et ceux qui n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps. Et au temps de la tentation, ils se retirent. Verset 14. Et ceux qui sont tombés dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis et par les richesses et par les libides de la vie. Et il ne porte pas de fruits à maturité. Malgré parole, mais résultat, fruit, pesa, ezali. Voilà pourquoi, quand bien même qu'il y a la présence.
parole, mais en elle, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Amen. Bamususu, pour d'autres, diable aye, aye biango. Le diable vient et ôte cela. Bamususu, pour d'autres, et je cela n'a pas trouvé un bon endroit. Yango, et précis, mbumate. Voilà pourquoi cela continue. N'a pas généré. Verset 15. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon. Oh, ma chagata, badaba. Omoni makamutuzuluba. Ce qui se mange à l'iluba, et koi na mutema, ya malamu, na esika, ma belea mutema wana, eza fatil, eza na kondima, et kopoti sa bambuma. Oh, ma chouza palakatus. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon. Et porte du fruit avec patience. Avec patience. C'est ce qui tue nombreux enfants de Dieu. Ça tue la foi de nombreuses personnes. Il veut vivre. Oh, il veut vivre. Makamususu, il faut patience. Et pour d'autres choses, il la foi marche avec la patience. Je dis, mais tant que la Oloni masangu lelo eska lelo ndo kolia masangu? Non. Atayo moko. Baloni na mama lelo eske lelo ndo mama kobotsa yo mwana? Non. Non. Eloko yonso ezala kana ngonga nango. Mais yebake semence. Sache que la semence ekufa kate. Ne meurs pas. Ce qui osa na patience. Si tu as la patience. Osa na kondima. Tu as la foi. Suka suka. Finalement. Ekobota mbuma. Elle va générer. Alléluia. Amen. La semence. Molona. La semence. Amen. La sepeli na place on attend pour la version mususu. Version Lingala Monde Nouveau. Verset 12. Oyo ekweki pembeni ya nzela ezali bato oyo bayoki na sima zabolo ayei pe alongoli liloba na mitema na bango po bandi mate pe babikate. 13. Oyo ekweki likolo ya libanga ezali bato oyo tango bayoki liloba bayambi yango na esengo kasi bazali na misisa te bandimika ka mwa tango kasi na tango ya komekama batiki kondima. 14. Oyo ekweki na kati ya banzube yango nde bato oyo bayoki kasi lokola mitungisi pe bomengo pe bisengo ya bomoi etambwisi bango moto bayoki kaka bipai nyonso pe babimisi eloko moko te na kokoka. Alléluia. Amen. Verset 15. Oyo ekweyi na mabele ya malamu. Ya malamu. Ezali bato oyo sima ya koyoka liloba na motema ya kitoko pe ya malamu basimbi yango pe baboti bambuma wana bazali koyika mpiko. Alléluia. Baboti mbuma. Ils ont donné de fruits. Parce que liloba ekoyi na esika ya malamu. Car la parole était tombée sur une. Na kolinga obandango moko na moko apati ya verset 12 wana. Amen mobandi na 11 12 po na limbole yango. Verset 11 lingala ya monde nouveau. Sikoyo kondimbole ya ndakisa wana yango oyo. Mboto ezali liloba ya Nzambe. Alléluia. Verset 12. Oyo ekoyaki pembeni ya nzela ezali bato oyo bayoki na sima zabolo ayei pe alongoli liloba na mitema na bango po bandima te pe babika te. Omoni yango omonaki bato ya ndenge wana baza na resultate. Voilà pourquoi de pareilles personnes mais bazoya bazoyoka et ils viennent et ils entendent parce que dès que babimi dès qu'ils sortent diabolo ayei le diable vient ayibi liloba il ôte la parole. Monique, il ne faut pas s'éloigner à la parole de Dieu. Après Matéa Boye, c'est un devoir. O yoka yango, o mili yoka yango, o mili yoka yango, o mili yoka. Dengi ozo yoka, ezo kote, ezo vwanda. Mwen diabolo ayiba yote, peske etondi na katina yo. Mesoki kaka info okeyi, nati batwe bele. Yango muna lake, résultat malamu ezate parce qu'il faut l'oblobana et langue sa esprit na yo et kota partout et bana kokonza tina makanisi omona ke comme un homme pense dans son cœur tel il est. Après de pareils messages il est de ton devoir de l'entendre encore et encore.
soit ancré en toi. Hébreu à l'obinini. Obi. Kolandisa maba obredise son abiso oyo par leur foi et leur patience. Ils ont obtenu l'accomplissement de la promesse de Dieu par leur foi et patience. Ils ont obtenu l'accomplissement de la parole. Parole, semence, il y a parole. Bah, moni angu parce que bah garder konima, bah mélanger na konima et bah laki patience. Ces deux choses là, ils ont mutuya. Quand ils sont mabuku ya bah hébreux et quand même ils te battent qu'on a biso, nandele a konima, peposé là, bah soit qui ose la qui posa na bango. Tanga papa, tanga, continue. Verset 13. Oyo ekoi likolo ya libanga ezali bato oyo tango bayoki liloba bayambi yango na esengo kasi bazali na misisa te bandimi kaka mwa tango kasi tango ya komekama batiki kondima bandimi na mi, na mwanini tango mokie mwanini mwatango moke. Alléluia. Amen. Ils ont bandimi na nini na mwatango moke na tango moke. Ils ont crié par moment et l'ennemi vient pena sima monguna ye zomona bandimi te na motema mobimba et ils n'ont pas crié cela de tout leur cœur. L'ilobaise na problème te la parole n'a pas de problème ça dépend na esika baloni. Denge moko semence est un problème. Il en est de même, la semence n'a pas de problème. Ça dépend na esika baloni semence. Elle dépend de là où elle est semée. Ce qui loni semence, les couleurs béton et le côté. Si tu sèmes une semence sur le béton, il n'y aura rien. Il faut jouer. Et coucou, il faut jouer esika. Elle doit trouver un yamalamo. Une bonne terre. Bon terre. Ma belle qui tombe. Ma yézali. Là où il y a l'eau. Ma belle ouane est fatigue. Et le terre, la terre est fertile. Et poussé. Et tu verras cela germer. Et poussé. Elle va germer. Alléluia. Continue. Verset 14. Oye kouyaki nakati yabanzube, yangonde bato oyo bayoki. Kasi lokola mitungisi, pebo mengo, pebi sengo, yabomo etambusi bango motu, bayoki kaka bipai nyoso, peba bimisi eloko mokote na kokoka. Alléluia. Babimisi et loko mokote ya kokoka. Ils n'ont rien donné. C'est ça. Verset 15. Oyo ekoi na mabele ya malamu. Ezali bato oyo, si mayakoyoka liloba na motema ya kitoko, pe ya malamu, basimbi yango, pe baboti mbuma, wana bazali koyi kampiko. Ba oyo ekoi na bisika mabele ya malamu. Et ça l'ennemi est produit selon espèce na yango. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ni esengeli na biso ko sala. Motema na biso. Notre cœur de mabele. C'est il faut tout bon que ça motema na biso. Nous devons préparer notre cœur. Pour être tango liloba écouti. Pour qu'à l'entrée de la parole écouti na mabele ya motema malamu. Qu'elle puisse pénétrer sur une bonne cœur. Wanande et botsaka fruit. C'est ce qui donne de fruits. Alléluia. Amen. N'assemble les je prie tel que tu m'écoutes. Na kitu oyo ya vendredi. Durant notre culte de vendredi. Malobazo yo kalelo. Les paroles que tu entends. Na service ya pourquoi lelo. Ainsi que le service de ce soir. Et botsa mbuma na vie na yo. Génère de résultats dans ta vie. Kombo. Na Yesu Masih. Na kombo na Yesu Masih. Amen. Na kombo na Yesu Masih. Amen. Na kopesa ba exemple. Je vais te donner des exemples. Avant que mon air ne soit expiré. Ta la zambe abimele Abraham un jour. Regarde, Dieu est apparu à Abraham un jour. Je le dis souvent. Bakutani. Ils se sont rencontrés. Abraham. Il dit Abraham. Abraham. Abraham, moni mabele oyo telemi. Tu as vu le, la bisika oyo telemi. Là où tu te tiens. Na kopesa ba semence na yo ba descendant na yo après toi. Je la donnerai à tes descendants après toi. Maloba ekoyi. La parole était semence ya maloba
ekoi. La semence de la parole était sur ekoi wapi? Likolo ya nani? Abraham. Elle était tombée sur na wapi? Na mabelea mutema na ye. Ayambiango de son cœur. Yangoba mengi père de la foi. Andimi, il a cru. Ndeko. Bien aimé. Tuna mabuloba wana ekokisa mikan. Parce que balobi pona yete balobi pona yo na pona ba descendant na bien précise. Et le moment qui m'a là moi ça qui pona ba kitani na ye. Combien des années après? Bambula ni nasima. Yango na zeko ipsa yo ke maloba ikufa kate. Voilà pourquoi je vais choki semence bimi. Et kokokisa ma. Dès que la semence sort 400 ans après. Mbula kama. N'est-ce pas? Parole wana. Cette parole là. Et kokokisa. Fit accompli. Oye bimaki. Ba koko na ye, ba descendant na ye, ba ye kohabite. Amen. Et ba koti na mabele wana. Ses descendants avaient pris Bible ben di Canaan. C'est l'ensemble à l'obéli Abraham. Tel que Dieu avait parlé à Abraham. Nazote ya yo nini. Qu'est-ce que je te prie? Ce qui parole est bimi. Quand une parole sort. Ba ke semence ici est l'onami. Sache qu'une semence est d'assurée. Suka suka. Finalement, elle va s'accomplir. Parce qu'elle dit, mes paroles ne sortent pas et reviennent à moi vide sans accomplir la mission que je l'ai envoyée. Il faut obtenir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être un chrétien patient et de foi. Car nos ancêtres ont vu la concrétisation de leur parole à cause de leur patience. La parole de Dieu est une semence. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Yangondeko. Voilà pourquoi bien aimé. Semer ta semence le matin. Semer ta semence le midi. Semer ta semence le soir. Même la nuit. Aussi longtemps que zo lona. Wana so lona. Ndeko. Bien aimé. Quand même. Ce qui mutu akeko lona na ferme. Est-ce que yon sonde koufaka au monake? Parce que zo lona parti par la un hectare ba mosusu ba kobota. Aussi longtemps que zo lona semence wana ekobota na vina yo. Amen. Parce que semence ekoufaka te. Amen. Ce qui a zui bon terre yango responsabilité na yo nangai. Notre responsabilité. Lona na tongo. Sème le matin. Lona na midi. À midi. Lona na pokwa. Le soir. Lona na butu. Même la nuit. Netile lona la muki. Avant même d'oser la nuit, na bandiko lona, c'est le même nazo lona. Ce n'est plus moi d'ailleurs, ça moi qui vive, c'est Jésus qui vive à travers de moi. Et la vie que j'ai menée ici-bas, je la mène par ma foi en Christ Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et ce n'est pas l'espérance de l'échec, mais l'espérance de la gloire. Oh, ma chouza, pas la kataba, ya kataba. Il n'y a pas d'enchantement ni divination contre Jacob et Israël. Je suis de la semence de Jacob et Israël. Il n'y a pas d'enchantement ni la divination contre moi. Toute âme forgée contre ma semence. Nazo déclaré à un moment et yindi na bimi na komi ko tambula net lion na salon na kuroa nazo ta pendant presque une même ou deux heures de temps ma coche pas nazo vibrer atoke ko tuna mwana ko yeba ke mtu moko azawana parce que na yebika ko ile akoyoka. C'est chez moi, je suis à l'aise. So na solo na semence. Na solo na semence. Na zo zelate problème et avant na lona. O zela nzalate polo. O zo lona déjà. Yes. Alléluia. Ecclésiaste et lobi bongo tala pona ngai. Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Nous lisons la version Darby. Le matin sème ta semence. Et le soir ne laisse pas reposer. Oh, yo, zo seme yangonde ko bukandeko. Amen. Iwana, mukemke, je suis malade. La Bible dit, la parole de Dieu nous a dit ceci.
Que les faibles disent je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. À l'hôpital qui est au converser des glèches. C'est pas moi. Message de la foi. Par manque de connaissances, d'autres ne comprennent pas cela. Ce n'est pas du mensonge. S'il vous plaît, je suis très fort. Très très fort. Parce que mes paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Tes paroles peuvent te détruire, tes paroles peuvent te construire. Tes paroles peuvent te faire vivre, tes paroles peuvent te faire mourir. Proverbe 18, verset 21, alobi, la vie ou la mort est dans le pouvoir de la langue et chacun doit en accepter les conséquences. Sache quelle semence tu sèmes dans ta vie. Basé sur ce que tu vois ou ce que tu sens, non. Je déclare parce que j'ai dit que parole, ils ont une efficacité, ils ont un impact. Tu ne veux pas s'aimer ce que tu sens, mais tu dois s'aimer la parole car tu connais qu'elle est efficace. Même Yesu Liboso et Tombo, tu vas comprendre, à Boy Koloake Lazare est mort. Alors je veux les réveiller. Après, alors, pour vous, pour, parce que vous comprenez. Oui, je sais qu'il est mort, mais dans le lobby, dans le Keneko, la Tala Nano à l'Obiango. Il a dit, na Boy, je vais aller le réveiller. Asia bomi esprit yaliwa. Parce qu'il y a l'oubli à Zola. A boy qu'on convaincait qu'il y a Asia Koufi. Asia est trouvé puissance de mort. Yes. A boy qu'on peut sa pouvoir. L'esprit de la mort. Il a refusé de conférer le pouvoir à l'esprit de mort. A l'oubli à l'oubli. A l'oubli, ça fait 4 ans juste. A l'oubli, il dort. Je vais aller le réveiller. Si. A l'oubli, oui, je sais que. Mais j'ai dit. Je vais aller les réveiller. Et tant que comme a sali à Bakadara, a sali dengue tout l'amsakamoto. Lazare! Lazare! Sors! Bima! Et sali tout le bas, sors! Yaka toke de bima toke de ko! Yozo lala! Alléluia! Alléluia! Amen! Avant Babo Manzoto, n'a assez à l'obi. Avant Babo Manzoto, il a détruit temple. Je vais les relever dans 3 jours. Dans 3 jours. Kaka dégue à l'obi. Tel qu'il avait parlé. Il avait étouffé l'efficacité de la mort dans Malobanaye. Non, ils ont toujours respecté le principe. La parole de Dieu nous a dit. Propres paroles, tu seras justifié, soit condamné. En faisant cela, nous ne mentons pas, car la Bible dit sème ta semence le matin, sème le midi, le soir, la nuit. Moko eko bota mbuma. Parmi cette semence, il va donner des fruits. Alléluia. Amen. Amen. Je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai une bouche. Et une sagesse. Avec laquelle votre adversaire ne pourra pas résister ni contredire. La bouche n'était pas donnée juste pour manger. C'est aussi pour s'aimer par des paroles. Ce que tu sèmes par des paroles, c'est ce que tu manges. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la parole de Dieu qui nous a dit que les faibles disent je suis fort. Ecclésias 11:6. Ecclésias chapitre 11, verset 6, version Darby. Le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous les deux seront également bons. Alléluia.
oyebite oyo nini ekobota mboma oyebite oyo nini ekobota nini mboma mesela nini lona na lingo yisa mningana utenge uvani wanana na salon na yoke lona 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 na tongo lona na tongo long lona na midi lona na midi lona na pokwa lona na pokwa oyebite oyo nini ekobota mboma oyebite oyo nini ekobota alleluia version semeur oui verset 6 Ecclésiaste chapitre 11 dès le matin réponds ta semence et jusqu'au soir ne t'accorde pas de repos car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira ou si tous les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre alobi ko repose te ko pe mate bozo yebate oyo nini ozo yebate oyo nini ko simba ko pe mate ye banda ko lona neche mutu aliboma lona na tongo lona na moi lona na butu version parole de vie verset 6 c'est pourquoi sème tes graines dès le matin n'arrête pas de travailler jusqu'au soir okay, n'arrête pas en effet quelle activité va réussir celle-ci ou celle-là tu l'ignores elles sont peut-être bonnes toutes les deux alléluia amen so taina Joël chapitre 3 verset 10 alobi ango alobi de vos socs forgés des épées et de vos serpes des javelins que le faible dise je suis fort pas je suis malade pas je suis faible je suis fort nous ne marchons pas parce que nous voyons nous sentons c'est ça la foi alléluia amen so yoki le bazamba alobini lona 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 na tongo lona na pokwa lona ko arretete kotikate parce que yebite oyo nini ko simba car la parole de Dieu t'ordonne de s'aimer à tout moment car tu ne sais pas celle qui va donner les fruits la parole de Dieu le bananzambe est une semence et ça molona la parole est une semence. 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 Ce que Zongina Sima, verset 4, à Epsio, verset 4, quand même chapitre Ecclésiaste 11, verset 4. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Version Darby. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas. C'est-à-dire, na makambo etali semence. Toko observate est-ce que non observation zali et le kozo tala na misu kozo considéré na ou etali konima non ozo déclaré koti toko landi observation non bande la papa Ecclésiaste chapitre 11 verset 4 version Darby celui qui sème le vent celui qui observe le vent ne s'aimera pas voilà. Et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Voilà. Ok. Yozo tala libata mapata zoki nakine. Voilà, ce sont des distractions. Yango, la Bible dit, nous ne marchons pas parce que nous voyons, observons, observation. Non. Oso lona à tout moment. C'est à tout moment. Celui qui observe les vents ne s'aimera pas. Et celui qui regarde les nouées ne moissonnera pas. Na matière na zolo boyo. On sait que je parle. Pas de distraction. Kupanza ya yo makanisité. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Na ligne totale. J'aimerais que nous voyons. Hébreux 4, verset 2. Il faut na lobango avant tout qu'il y ait. Hébreux 4, 2. Noki noki. Hébreux chapitre 4 verset 2 version Darby car nous aussi nous avons été évangélisés de même que ceux-là oui. Mais la parole qu'ils attendirent ne leur servit de rien n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent c'est fini alléluia so, maman elle le vif du sujet là dès que ces masses écoutent
kondima. Dès que la semence croise la foi, ako produit selon espèce na yango. Elle produira selon son espèce. Ça c'est très très important. Alléluia. Amen. Et les caractéristiques de la semence. Deux choses, avant de clôturer, la semence ne mord pas. Yeba ke ata moni mukokoli ya manga yeba ke ezaka semence ezaka vivant malgré kauki ata moni masangu bali angote ezawana e kauki yeba ke ezana bomo inakati mukolokolo nango na iska malamu e kubota mboma. So semence ezaka na bomo inakati. La semence produit zaka selon espèce na yango. À la vie en elle est produit selon son espèce. So, sache-toi que la semence ne mord pas, ça c'est un. Deux, parce que la semence produit selon son espèce. Na o etali balo lenge ya semence ezana biloko mibale sengeli tokanga ya liboso semence ekufa kate ya mibale semence epesa kaka lo lenge eloko oyo yango ezali. Alléluia. Amen. Maintenant, en conclusion. Tu veux la guérison? Va dans la parole de Dieu. Localise les promesses de Dieu. Localise les promesses de qui Dieu. Qui garantit votre guérison? Méditez sur ça. Maniola likolo na yango. Langwa na yango. Sois-en ivre. Déclarez ça midi, matin, midi, soir, nuit, jusqu'à ce que et bandiko pota mbuma. Parce que Zambé a koki koko saté. Car Dieu ne peut mentir. Vous avez un problème. Tu as un problème. Finance. Oui, va localiser ce que la parole de Dieu dit. À ses propos. Na lulenge wana. Langwa na yango. Médite likolo nango. Médite dessus. Va le mettre en patrie. Déclarer yango. Pratiquer yango. Yango. Tu vas voir les conséquences. Alors que tu vivras des toutes semences de la parole. Produit selon son espèce. Yesu alobi. C'est une bénédiction de donner que de recevoir. Wana oye komi semence. Alléluia. Amen. C'est ça. Et comme ma kamoya finance, et ça ma kamoya malade, et ça wana par mes maîtres, je vous ai déjà guéri. Va dans la parole, localiser les promesses qui garantit le désir de ton cœur. Langwa na yango. Sois rema. Soit révélation. Prends la révélation. Et bana ko tiango na musala. Et applique cela. Okomona. Et tu verras. Et qu'on produit. Cela va produire. Selon son espèce. Cela dit sa malédiction. Alléluia. Nabanzi ozawana. Je pense que tu es là. Vous êtes prêt avec votre Saint communion. Aussi au bon ici à yo communion et nous devons. Jésus a joué breuvage. Jésus a pris le breuvage. Il a juste pris un privage. Il a béni. Après la bénédiction, il a dit, ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang qui est versée pour vous. Papa Chala Zobeta. Na lingio kota na kati adoration dans quelques minutes après je vais bénir la communion et sima après ino moko pour partager ngo na ndako ça devait partager simba communion na yo ya nzoto ya Yesu na makila na Yesu na maboko na yo biskou zali. Alléluia. Chant, ancient rain.
Et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette communion. Selon ta parole, ce que nous bénissons est béni. Je rends cette communion ton corps ainsi que ton sang. Il a dit dans sa parole, il nous a donné l'autorisation de bénir. Et ce que nous bénissons est béni. C'est irrévocable. N'a déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette communion ce soir est bénie. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. Et na lobeli toute forme de maladie. J'adresse à toute forme de maladie. Oppression diabolique. Oppression diabolique. Et koufa et disparaître. De mourir et disparaître. Na zelaya communion oyo. Par cette communion. Na libérer semence aliluba. Je libère la semence. Na katina yo biskozo na nanga. Que la semence de la parole de Dieu pénètre en toi. Par cette communion, reçois la vie. Parce qu'en lui réside la vie. Reçois sa vie. Dans le sang réside la vie. Reçois la vie de Jésus. Tout ce qui est dans son corps et son sang. Et expression dans son corps. Il est la vie, reçois la vie. Il est la bonne santé, reçois la bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Sa parole nous a dit dans 3 Jean, verset 2, que j'espère que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards. Volonté na yeza tous en bonne santé. Quelle est sa volonté pour nous? Na samboli yamba bonne santé. Je prie reçois la bonne santé. O kangolami o piki sami. Amen. A tous eux bela maladi songolo. Quoi que tu souffres. Natanga yango te. Que je la cite. Dengue aux autres mais la communion yo. Que tu prends. Na décrété yo o piki sami. Amen. Na déclaré o kangolami. Au nom de Jésus. Amen. Reçois ta guérison. Yamba kombo na Yesu. Amen. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. To sambeli. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Zambe a pambola yo. Kozala. Branché à tout moment. Restez branché à tout moment. Chaque vendredi à 17h comme maintenant. Vendredi, dimanche à 7h. Dimanche na tongo. Et mercredi à 10h. Et puis après la rediffusion. Bientôt, nous allons nous réunir à que mon Dieu vous bénisse. Le temps de témoignage. Pétela Yesu maboko makasi. Bonsoir papa d'ailleurs na biso. Ezangai maman Mariette na vanda kana Londres. Alingai kana pesa nzambe na yo nzambe. Merci makasi. Ongana zalaki na probleme na main gauche. Miku ebando salanga pasi makasi. Awando koka kotombola ngote. Tango bandilo sambo. Ngana kamati kaka main gauche wana na ti yango na ekran. Siko yo sambeli olobi mikuwa obandi olo sambo tango silisi olobi to sala oyo to bandoko ka kosala te
na tomboli pe lobo kwa ngo na moni na tomboli bilo kwa kilo na moni zo simba yango na lobi tete halala te même si na tali message na na pokwa na tinda kaka témoignage na ngai nzambe ya papa dayo aza nzambe ya salaka na moni mingi na banoko kate ko loba na eloko yo me eloko na pesi nga occasion yango na lobi na tinda kaka na ebite so eko bimela bino kuna ndenge nini me nzambe ya piki singa i papa merci beaucoup et bon anniversaire merci pete la yesu maboko makasi. Na prophétiser na vie na Mister Balinda bazo kufa ko kufa te eloko pomi tata na yo ko poma yote eloko pomi mama ko poma yote ya ye le chou de chaque action bon pour nous tu vas savoir a toi ma vie que la vie spirituelle et que la foi spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wane.